Par rapport à la décision de lancer un sondage politique, il faut savoir qu'il y a deux scénarios. Premier scénario, c'est qu'il y a une commande qui est reçue. Ça veut dire que le client, il a un besoin, il a besoin d'informations. Ça peut être un parti politique, ça peut être une ONG, ça peut être un organisme étranger, ça peut être n'importe qui demande à avoir un sondage politique. Généralement, il y a des objectifs, ça veut dire que c'est un sondage, comme je ne sais pas si vous avez eu l'idée, à un certain moment, la présidence de la République a lancé un sondage pour connaître l'image du président de la République. Ou ça peut être un sondage tout simplement pour anticiper les résultats du vote à travers un sondage de popularité, d'intention de vote, etc. Donc il y a les donneurs d'ordre. Et dans certains cas, les instituts de sondage volontairement, comme par exemple à travers les baromètres, à travers les observatoires, etc., les priorités des Tunisiens, etc., et nous on l'a fait. On fait des sondages sur des problématiques bien déterminées, mais c'est des problématiques politiques, pour un peu servir en tant que moyen de communication pour faire connaître les travaux de l'Institut de sondage et pour faire de la publicité en fin de compte, parce que cette publicité va nous servir à mieux nous faire connaître et donc avoir plus de facilité à attirer aussi l'attention des entreprises qui sont nos principaux clients, notre principal marché pour demander des sondages. Tout le monde peut commander des sondages, mais je dirais par ordre d'importance, en tout cas nous, concernant nous. Il y a des partis politiques, hein, notamment et heureusement récemment, parce qu'avant ce n'était pas forcément le cas, il y avait une confusion. Une confusion, puisqu'un sondage pouvait être considéré. Je déplore cela, mais à juste titre, pouvait être considéré dans certains usages comme un outil de propagande. Et donc, il est malheureux de constater que certains partis politiques, pas tous, heureusement, et il fut un temps, c'est en train de changer, heureusement, aujourd'hui aussi, pour beaucoup de partis politiques, le sondage. En tout cas, les résultats de sondage pouvaient être considérés ou pouvaient être surtout utilisés comme un outil ou un support de propagande. Et donc, il y avait quand même une certaine demande de partis politiques, mais pas une demande de grande rigueur à ce niveau-là. Récemment, en tout cas à l'approche des élections législatives et à l'issue des élections législatives, beaucoup de partis, notamment ceux qui se sont trompés dans leur diagnostic, qui ont vu les résultats complètement différents de leurs attentes, ça on peut le comprendre, mais surtout de leurs prévisions. Et qui plus est, si je puis dire, se basant sur d'autres sondages politique. Donc la demande a beaucoup changé et on demande désormais des sondages avec une grande fiabilité, de façon à effectivement savoir où le parti va et en plus un travail exploratoire et d'évaluation des orientations de l'électorat. Aujourd'hui, je suis en train de constater que malheureusement, la première tendance est en train de revenir aussi un tout petit peu. J'espère qu'elle disparaîtra. On s'intéresse de nouveau, malgré l'interdiction de publication, de nouveau un tout petit peu à des sondages dans un but de propagande. Donc on retrouve un peu de tout. Donc ça, c'est concernant les partis politiques, mais on retrouve aussi les mêmes demandes, notamment dans des buts de propagande de la part d'associations. D'associations, d'ONG. Lorsqu'il y a un enjeu électoral important, c'est les instituts de sondage, c'est les partis politiques qui commandent des sondages. Mais là, en Tunisie, d'après mes informations, je sais que les partis politiques tunisiens, pour ceux qui ont commandé des sondages, l'ont fait auprès de plusieurs organismes étrangers. Est-ce que c'est un souci de confidentialité? Est-ce que c'est un souci de fiabilité parce qu'ils n'ont pas confiance? Je ne sais pas. Mais je sais que puisque c'était délicat, surtout par rapport à si ça va se savoir, si jamais les résultats du sondage ne sont pas comme on le veut, d'accord? Ça a été commandé. Donc, comme je vous ai dit, même à l'étranger, c'est soit il y a un enjeu électoral, soit pour le reste, c'est des sondages pour faire de la publicité, 3% du chiffre d'affaires.
Il y a des instituts étrangers, il faudrait préciser justement qu'il n'y a pas de sondage étranger. C'est un mythe que de penser qu'il y ait des instituts, qu'il y ait des sondages américains. De temps en temps, on voit dans les médias, on dit c'est un sondage américain, c'est un sondage allemand, c'est un sondage français. Il n'y a pas de sondage étranger, il n'y a que des sondages tunisiens. Un Américain ne peut pas s'adresser à des Tunisiens et les Tunisiens ne peuvent pas répondre à un Américain, ou alors on s'adresse à une infime minorité de la population qui est capable de comprendre et de s'exprimer en langue anglaise et exprimer ses opinions de manière fluide. Donc en fait, il y a toujours sous-traitance à un institut où, alors là je ferai la nuance justement et pour cause, ou une société qui fait des sondages et qui n'a pas toujours ni le savoir-faire, ni l'envie ou la déontologie pour faire des sondages correctement, et ils peuvent s'adresser à des bureaux d'études, puisqu'il y a cette confusion en Tunisie, on va demander à un référent qui fait des sondages en Tunisie, on va se retrouver encore une fois chez des bureaux d'études ou des personnes qui font réellement des sondages, mais sans le savoir, ou sans savoir exactement quelle est la finesse de ce métier-là, ou des personnes qui n'ont pas les outils qu'il faut, ou en tout cas le savoir-faire, pour pouvoir faire des sondages correctement. Donc on trouve de tout, s'agissant des instituts ou des centres de recherche étrangers, ou des médias étrangers. Nous concernons nous. Ce n'est pas la partie majoritaire, c'est même marginal, même si au niveau des ONG et des associations, la demande est assez forte, notamment celle d'origine étrangère. Mais vous trouvez aussi des médias, les médias tunisiens qui commandent des sondages pour exprimer l'opinion, mais parfois de manière un peu plus subtile pour se positionner eux-mêmes, puisqu'il y a des enjeux. Donc chacun doit se positionner dans un jeu où on peut gagner ou on peut perdre. Il est toujours intéressant pour des patrons de médias de savoir comment le vent risque de tourner et de se positionner, ou en tout cas de se placer dans le bon sens. Donc ça, c'est des demandes qui sont plus marginales, mais existantes aussi. Et pourquoi pas, à la limite, tant qu'il n'y a pas une demande de corruption des sondages, je pense que tout cela est le bienvenu. On peut orienter l'opinion, justement, tout simplement, effectivement, en prévoyant des questions dont la réponse va dans le sens des attentes de celui qui commande de manière inévitable. Plus subtil, en influençant un tout petit peu, de manière qui n'est pas si claire que ça dans la question. Ou en faisant de la pression. Vous savez, il y a des gens qui refusent de vous payer. Dans les sondages politiques, dans les sondages d'opinion, on refuse de vous payer et on rentre dans des choses qui sont assez difficiles, puisqu'on peut s'adresser à des médias, à des politiques, la question peut devenir publique et peut prendre une autre dimension. Mais vous avez souvent des gens qui refusent de payer si ce qu'il y a dans le sondage n'est pas conforme à leurs attentes. Ça, c'est au niveau de la conception. Ensuite, évidemment, si ces résultats qui sont obtenus ne sont pas conformes à ce qu'on pourrait appeler la réalité, ou en tout cas une certaine lecture de la réalité, on va inévitablement orienter notamment les médias, en disant, par exemple, tel candidat est le candidat préféré des Tunisiens, et voilà ce qu'on aime en lui. Et donc vous allez avoir des journalistes et des médias qui vont reprendre cela et qui vont l'amplifier, ne serait-ce qu'au niveau des positions, du temps qui est accordé aux uns et aux autres. Et on va considérer que ce sont les partis principaux ou les candidats principaux ou on va dire qu'ils vont jouer un rôle majeur, alors que tout cela n'est pas forcément prouvé. Des idées parfois intéressantes sont marginalisées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas valorisées ou appuyées soit par les médias, encore mieux si dans un sondage, on va dire que cette idée-là est une idée qui est appréciée par beaucoup de Tunisiens, hein, quelle que soit cette idée-là, mais aussi en mettant en ligne et en les commentant, en les amplifiant, des chiffres qui ne sont pas conformes
à ce qu'on devrait obtenir si le travail était correctement fait. Voilà quels sont les moyens qui peuvent être utilisés pour orienter l'opinion avec des sondages d'opinion et effectivement avec une certaine, avec un relais amplificateur par les médias. Les politiques, les médias, enfin, on parle surtout de, voilà, enfin, les associations, tout ce monde-là qui commande des sondages a compris que ça ne servait pas à grand-chose d'avoir un sondage dont les résultats ne reflètent pas de manière rigoureuse. Je parle même du laisser-aller, j'accuse personne. Je veux dire, bon, il y a des gens qui sont sûrs, qui sont sûrs. Pour eux, les sondages ne peuvent pas être aussi précis que leur propre perception, puisqu'ils sont au milieu, ils vivent, notamment quand on parle de gens qui ont milité, qui ont fait éventuellement de la prison, qui ont tourné dans toute la Tunisie, qui sont en contact quotidien avec des militants, avec le peuple. Mais effectivement, ils pensent qu'ils connaissent ce peuple-là. Et c'est ça la grande erreur. Donc, je veux dire, sans aller, c'est pas, je ne dis pas qu'il y a une demande explicite, hein, mais une demande explicite d'orientation. Mais vous allez vous retrouver face à des gens qui vont rejeter les résultats que vous allez sortir, puisque ce n'est pas conforme à ce qu'ils s'imaginent eux-mêmes en interne, ce qu'ils ont en tête.